وحيل بيننا وبين الأمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعرف حالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Le président du conseil constitutionnel, Al-Hak Mamadou Kouné, ils vont être formulés pour le premier ministre, Afin Guessant, président du RPI, venu à la tête d'une importante délégation, dont le porte-parole est mon frère, le ministre Touré. À cause du masque, j'ai failli le faire. Le président de RPI et sa délégation saluent le cousin et les familles du Touré. Mon frère, monsieur le ministre Amarat. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec la permission du premier ministre Pascal Agnissant, président du Fonds populaire ivoirien, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le premier ministre Pascal Agnissant, président du Front populaire ivoirien, a appris la triste nouvelle de la disparition du guide du chef Aïmar Ouattara Fofana et sa père de Jean. Et ce matin, il a couru ici, à la grande mosquée de la Riviera, pour venir s'imprimer sur la dépôt mortelle de l'homme de Dieu. Le premier ministre est venu avec une forte délégation du Front populaire ivoirien, son parti, pour venir implorer Allah pour qu'il puisse recevoir son serviteur auprès de lui. On dit dans la religion musulmane, Iman Lilaï, Wa Iman Lilaï, Wa Chou. Que Dieu accepte le chef, le guide religieux auprès de lui, dans son paradis, dans son fidaos, et qu'il lui accorde la place qu'il mérite, les vertueux, les croyants et les hommes de grande foi. Le Premier ministre se rappelle que le chef aussi était un homme de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a participé à l'apaisement et au rapprochement de toute la communauté ivoirienne durant les différentes crises que nous avons connues. Aussi, il a en mémoire tout le combat que le chef a pu mener dans les années 70-80 pour une bonne organisation de la communauté musulmane et pour la structuration actuelle cette communauté en Côte d'Ivoire.
aussi en tant qu'homme politique, il a salué tous les efforts que le chef Aïman Bouakari a pu faire pour que la réconciliation entre les politiques en Côte d'Ivoire puisse avancer. Et il a fait ce qu'il a fait. Et c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui nous incliner sur sa vie immortelle. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse l'accueillir et implorer avec vous le miséricordieux. Pour nous, quel est le prix de la vie? La vie n'a pas de prix, si ce n'est la douleur de la séparation que l'on ressent à la perte d'un proche, d'un cher. Et c'est pour cela que nous voulons implorer à la foi de Ouattara pour qu'il puisse adoucir cette douleur au niveau de la famille, au niveau de la veuve, au niveau des enfants, au niveau de la communauté musulmane. Et que le Tout-Puissant puisse lui pardonner tous ses péchés. Alors, Marabana Kabir. Aussi, comme j'ai le micro pour une seule fois, je voudrais faire le don du président du Front Populaire Ivoirien, qui m'a chargé de remettre la somme de 500 000 francs. 500 000 francs avec 300 000 francs pour la famille et 200 000 francs. Monsieur le Premier ministre, Madame la Sahib du Gosia, au nom la grande famille Fofana, Diallo, Yaratouba et Allié, nous vous remercions pour votre présence, pour votre soutien, surtout pour vos mots aimables à l'endroit de son éminence, le chef Aboubakar Fofana. Et Dieu vous récompense au santé. Allah m'a dit, car il dit, le chef Allah accueille son éminence dans son paradis. Allahumma amin. Nous vous remercions. Éminence des imams, mes chers frères et sœurs des familles Oufana, Diallo et Tessika, je demandais à monsieur le ministre de vous demander de nous guérir. Je m'ai chargé de vous dire porter à votre connaissance, je sais que le gouvernement est passé bien, on n'a pas pu se joindre à ce déplacement. Aujourd'hui, c'est la seule fois, j'espère que l'Aïm a pas salué tout cela, grand artisan du dialogue interreligieux, à chaque fois.